Bien le bonjour, 11h24, à toutes les montres et sur toutes les horloges de France et de Navarre, il est l'heure du 80 e ah ça y est, 80 e Juste Bistrot sur Twitch, c'est le rendez-vous en direct, vous le savez, mardi, vendredi, le plaisir, au rendez-vous tous ensemble, on est là sur Twitch, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est complètement grandiose, voilà, je le dis, hein, je le dis, c'est complètement du plaisir euh, l'ambiance voilà, euh, n'est pas au beau fixe, on va pas se mentir, l'ambiance hein, est pesante. Hein. Cette vidéo, vous avez peut-être vu hier une vidéo que je voulais proposer, c'était branle-batte-combat dans l'équipe euh, dans l'équipe juste milieu. Vraiment, je, je suis arrivé, j'ai dit à tout le monde, attention, touche à rien, on va faire l'équipe, euh, on va faire enfin toute l'équipe, on va faire la vidéo, on, on s'est tous mis là-dessus. Cette vidéo que vous avez vue hein, sur cette circulaire envoyée par Elisabeth Borne au préfet, une circulaire vraiment qui, qui pose énormément de questions. Hein. Merci. Je commence plein de mal, mais en fait j'en oublie les politesses. Ne suis-je pas un sac à merde Merci à Shiraz 3005 qui vient de se... Quatrième mois, merci beaucoup. Merci également à cathy tout kati qui vient de sub. Merci beaucoup. Que du plaisir, merci les amis. C'est vrai que je suis parti plein gaz parce que il ben, y a cette histoire de, de, de circulaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo encore, est-ce que Edouard en régie, tu peux nous mettre ça dans le chat euh, vidéo record, je vais pas vous mentir. Euh, alors, bon, au-delà du fait que ça, 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 on a les fesses qui font bravo, hein, tous euh, en vidéo record, hein, bientôt 190 000 vues déjà en 24 heures, donc complètement zinzin. Hein, le résultat de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce que vraiment, euh, au-delà de bah, voilà, on est, on est content de faire des vues. Hein, je vais pas vous mentir. Merci, Edouard. La vidéo est sur le chat pour ceux qui veulent la regarder, euh, bien sûr. On est content de faire des vues, je ne vais pas te mentir. Maintenant, là, le, le sujet est quand même extrêmement flippant parce qu'on connaît le niveau de, de, de préparation, ou plutôt d'impréparation de notre gouvernement. Euh, et là, quand il s'agit de coupure d'électricité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions légitimes qui arrivent, euh, qui forcément n'ont pas été prévues et anticipées, à mon avis, par le gouvernement. Ne serait-ce que, par exemple, la question des serrures électriques. Tu vois. S'il n'y a pas d'électricité dans le bourg, euh, voilà. Hein. On, te, on te bassine depuis des mois et des années avec la maison intelligente où tout est connecté. Ah ben, quand tu n'as pas d'électricité, tu vas comprendre qu'une bonne vieille porte de grange avec une clé comme ça, finalement, ça avait du sens. Donc, euh, on, on va au-devant d'une situation qui est, qui est extrêmement problématique, d'autant que. Euh, on l'a vu avec le Covid, on a en plus, se mettre en place des éléments de discours mensonger, enfin mensonger par, comment dire, mensonger a priori. C'est-à-dire que quand Olivier Véran arrive sur BFM TV, pas plus tard qu'hier, le 1er décembre 2022, pour dire que nous ne sommes pas, je cite, « nous ne sommes pas en train de dire aux Français qu'il va y avoir des coupures d'existence », on voit de, une sorte de torsion du réel euh, qui n'est pas un mensonge, mais qui n'est pas non plus la vérité, car ils n'en savent rien en vérité. Donc on a des mensonges par omission, ou des mensonges euh, a priori, ça on, on verra, mais on le verra trop tard. Et là, euh, au risque de péter l'ambiance, puis derrière, je te parle de l'affaire Balenciaga. Alors l'émission d'aujourd'hui, euh, on va se mettre un petit coup de compagnie créole quand même avant. Hein on, on, on va zooker un petit peu parce qu'après, euh, après vous allez chialer. Euh, le truc, c'est que il euh, y, y a cette impréparation, il y a ces éléments médiatiques qui se mettent en place, éléments, disons mensongers d'ailleurs, façon. enfin en tout cas tenus par des menteurs. Ça, voilà plutôt que mensonger des éléments tenus par des menteurs. On sait qu'Olivier Véran a menti à plusieurs reprises. Olivier Véran, alias le « gourou des cyprès », on le rappelle, celui qui avait dit dans son livre, alors qu'il était au début d'un burn-out, qui est sorti dans le jardin, à regarder un arbre et s'était reparti. Donc c'est dire hein, le, le niveau de ceux qui nous gouvernent, de celui qui est désormais porte-parole du gouvernement euh, on a cette préparation qu'on a pu évaluer, qu'on a pu constater euh, au prix des larmes et du sang au moment du Covid, avec euh, cette crise énergétique, très clairement. Là, je, vais, je, vais, je vais vous faire un petit peu flipper. Hein. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais euh, tu, dans une ville, tu coupes l'électricité, tu coupes les numéros de secours, c'est interville derrière. Hein. C'est interville. Hein. Euh, bah, T'imagines bien que tu te fais cambrioler. Toi, tu avec ta bougie comme ça. Tu te fais cambrioler, t'appelles qui en fait S'il n'y a plus de réseau mobile. Voilà. Donc, je veux pas. Euh... Enfin, J'espère très clairement vous dire d'affreuses bêtises et que tout ça n'aura jamais lieu, qu'on soit bien d'accord. Je, je ne veux pas faire le jeu de BFM TV à faire peur aux gens. Mais euh, il faut quand même prendre en compte cette réalité-là. Enfin, on, on est avec des gens aux manettes. Pour la plupart, hein, il y a des petits nouveaux depuis. Mais on est avec des gens aux manettes qui, faute de stock de masques stratégiques, se sont épanchés dans les médias en disant le masque ne sert à rien. Donc ils sont prêts. En tout cas, on l'a vu. Ils ont été prêts, peut-être pas maintenant, juste mieux. Ils ont été prêts à euh, au, au, vraiment à des mensonges grossiers, avec en plus un soutien de certains médias qui allaient jusqu'à euh, tenter de faire taire les voix contradictoires qui disaient Vous êtes en train de mentir car on sait que le masque peut être utile, et on dit Non, vous êtes complotiste. Déjà là, euh, jadis à l'époque. Donc, euh, on sait qui est aux manettes, donc on sait de quoi ils sont capables, ou en tout cas de quoi ils sont incapables, et là, ça, ça c'est comme un jeu vidéo, quoi. Tu étais tranquille pour le niveau 1. Niveau 2, tu commences à mettre les, les avant-bras sur les cuisses. Donc, on va voir. Merci. Firiel Venkman, qui vient de se prêter 9 mois. Merci beaucoup. Et également, Oboro Boxy, c'est le quatrième e mois. Ce prime. Merci beaucoup, les amis. Donc, euh, effectivement, il y a Clé2 qui dit dans le chat, et ce n'est pas, pas faux. Hein, euh, très emmerdant pour les streamers en France, les coupures de courant. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas vous mentir. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer aussi côté juste milieu, parce que YouTube sans électricité, euh, non, en fait non. Enfin, je serais devant mon ordi éteint comme ça. Salut les tuitos non ça marche pas. Euh, donc on va euh, très clairement mettre le paquet sur juste milieu, euh, sur, juste, sur juste mensuel, pardon, sur juste mensuel parce que euh, il est possible que notre revue arrive avant les vidéos. <laughs> voilà, donc euh, on va mettre le paquet là-dessus hein, euh, à proposer des offres là. Euh, plus, plus intéressante notamment en termes de prix pour que ce soit le plus accessible possible on va voir comment on peut bricoler ça il y a déjà une offre de, de Noël qui va être lancée c'est une affaire d'heures. Euh, c'est euh, le technicien de l'équipe Edouard qui est manette donc euh, hein, dans, si vous êtes gentil vous dites SVP petit papa Edouard voilà c'est là peut-être il, il verra s'il vous donne l'offre de Noël ou pas c'est lui le moi j'ai aucun pouvoir là-dedans je ne suis qu'une marionnette donc euh... Donc, très clairement, l'idée de Juste Mensuel, c'est ça. Alors, j'aurais jamais cru hein, vous dire ça, mais euh, back to basics, comme, comme on dit. On va revenir aux choses élémentaires, revue papier. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre format aussi, euh, peut-être plus court, mais avec vraiment bah, la, la lettre d'info, juste mieux, tous les 15 jours, dans ta boîte aux lettres Je ne sais pas ce qu'on peut bricoler, mais on va essayer de trouver des solutions. Donc, on va voir. Merci à martin 06 nice qui mène ce, c'est le deuxième mois. Merci beaucoup, mon Martin. Euh, donc on va voir, on va voir un petit peu euh, ce qui va se passer sur tout ça, les amis. La petite euh, gorgée de, euh, de café, hein, quand même qui est ponctuation. Alors c'est vrai que euh, y a Pimouskassi qui dit radio pirate à l'ancienne, euh, déconne pas trop. Déconne pas trop. Alors, on t'imagine bien que j'ai aucune connaissance en la matière, mais euh, si on a des amateurs de, de radio dans le milieu, on peut se débrouiller. Ah ben, faudra se débrouiller de toute façon. Donc, euh, peut-être ça existe. Je ne sais pas comment on bricole une radio. Ça peut être drôle, hein. ça peut être très très drôle. Mais, euh, je ne sais pas. Donc, voilà un petit peu les amis pour ce tour d'horizon, hein, cette affaire-là. Mais on va commencer quand même en souplesse avant d'aller vers l'affaire Balenciaga, vraiment. Vous le savez, hein, c'est un sujet, enfin, le, le, le sujet de la pédocriminalité me tient à cœur autant qu'il m'effraie. Et là, on a un exemple sidérant qui s'est passé il y a 15 jours, euh, d'une sorte de. Je ne sais pas, je vais vous en parler et on en reparlera ensemble dans le chat pour savoir comment on peut considérer cette affaire, mais vraiment quelque chose de sidérant. Si vous n'avez pas entendu parler de l'affaire Balenciaga, restez bien là, n'hésitez pas à partager hein, le lien sur les réseaux sociaux. Euh, on, on va y venir d'ici 5-10 minutes merci à SebChef17 qui vient de s'obtenir deuxième mois, merci mon Seb merci mon chef, merci mon chef. voilà euh, on va, je voulais commencer ce live c'est une forme d'hommage c'est une forme d'hommage euh, là vraiment je crois peut-être que je m'avance un petit peu je crois que l'on tient la réflexion la plus conne de l'année dans les médias et Dieu sait que la concurrence est rude on a vraiment. Euh, c'est une volière à ciel ouvert tous les jours. Euh, c'est terrible. Vraiment terrible. Et euh, alors, Breaking News, on me dit dans l'oreillette, parce que j'aime beaucoup cette actrice, on me dit que Mylène de Mongeau vient de nous quitter. Est-ce que c'est validé en régie ou pas Parce que je vous avoue que j'ai vu passer l'information hier, mais je l'ai vu euh, sur une source rapide. Euh, donc j'ai dubité. Oui, ouais, c'est officiel. Ouais, c'est officiel, malheureusement. Alors, hommage, évidemment. Hein, hommage à Mylène de Mongeau. Incroyable, Mylène de Mongeau. Très grande actrice. Hein, carrière incroyable. Euh, Au Cinoche, sur les planches. Et immense actrice. Euh, en plus, qui a joué dans le Camping. Donc, pour moi. C'est le, le firmament. Euh, mais bien sûr, d'autres rôles fantômes, c'est évidemment plein de, de, de grands films. 70 ans de carrière, hein, immense. Elle hein, a commencé très jeune. Celle que l'on comparait beaucoup à Brigitte, Bordeaux, euh, Brigitte Bardot. Pardon. Euh, voilà, hein, donc, euh, qu'on qu très, très jolie femme, excellente actrice, incroyable, incroyable actrice, avant d'être très jolie femme. Euh, décédée à l'âge de 87 ans, donc en, en mémoire à Mylène de Mongeau. Et bon, bah, ça, c'est clairement pas un hommage. On a, hein, je vous le disais. Là, euh, je pense, l'une des réflexions les plus débiles de l'année qui émane de quelqu'un qu'on a envie de bien aimer, mais comme quoi hein. euh, C'est Patrick Peloux. Patrick Pelou, président de l'association des médecins urgentistes de France, qui était au centre hein, des, des attentats de Charlie Hebdo. Donc, un personnage, effectivement, euh, qui a eu une vie euh, qui, euh, qui a changé après, après ces attentats. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, depuis n'a pas hésité, alors rien à voir hein, t'imagines bien, mais depuis euh, a des positions tout à fait curieuses et là nous en a sorti une elle est belle, celle-là faut... je pense qu'il n'est pas tout seul sur le coup euh, sur la question des soignants hein, des soignants non vaccinés euh, je crois vraiment que celle-là ils ont dû travailler en équipe il y a dû y avoir un rapport McKinsey-Patrick Timsit parce que euh, tu n'y arrives pas tout seul. Je, je vous mets l'extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je configure le bazar. Euh, c'est où Il ouais. faut cliquer avec la souris. La mouse. Voilà, paf Merci à Miss Jeans qui a offert un abonnement à Bignapololo. Les, les, les fidèles se rencontrent, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, je vous mets cette séquence. Asseyez-vous pour ceux qui euh, auraient l'outrecuidance d'être en station verticale, parce que là on est sur quelque chose, c'est du costaud, c'est du solide. Claire. Mais vous êtes, vous êtes que il quand y a vous beaucoup de médecins qui disent pas ça. Non vous mais vous êtes... je sais, bah, d'accord. C'est <laughs> pour ça que j'avais mal compris. Et beaucoup de soignants avec, disent, avec, par principe, on à, ne veut plus les à, voir. Avec beaucoup de respect, je comprends, mais on ne se sortira pas de ce sujet. On est dans une ornière, donc il faut tourner la page et remettre, et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire quand vous êtes soignant. Vous devez être vacciné. Donc, aussi, et, ils peuvent revenir s'ils se font vacciner. Oui, et il faut mettre qu'en cas de catastrophe, de plan blanc, ouais. d'épidémie, s'il y a un vaccin, il faut que tout le monde se vaccine. Vous voyez, il faut redéfinir des règles. Il faut, 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 faut passer la tâche. Ta... Je, je pense que, si vous voulez, il y, euh, y, a, y a un gain à dire bon, écoutez, le, le, le sujet est, et, et, et a évolué. Bon. Vous avez compris l'idée, alors sincèrement, merci à Fredo Diablos, qui vient de Subprime, trois mois, merci beaucoup. Euh, J'espère que des mouches n'ont pas eu la mauvaise idée de s'introduire sur le plateau, parce qu'elles seraient reparties avec le cul en chou-fleur. Vraiment, on va être très clair. Euh, l'idée de Patrick Pelot, et, et, et celle-là, vraiment, faut, faut se lever tôt, c'est de dire, bon, concernant les soignants non vaccinés, on tourne la page, ça suffit maintenant, hein, euh, faut accepter les gens comme ils sont, donc, on les réintroduit avec de nouvelles règles pour qu'ils se fassent vacciner. Je 7 et match. Yannick Noah. Elle est magnifique, celle-là. C'est le seul, hein, pour l'instant, à, euh, à nous la sortir. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Parce que euh, les soignants non vaccinés ont émis le souhait de ne pas l'être. Si tu les réintroduis en leur demandant de l'être. Ils vont être re-suspendus. Euh, <laughs> ouais. Alors c'est de la crétinerie. C'est une proposition complètement conne. Voilà. La proposition, ce n'est pas un jugement ad hominem. Euh, c'est... Euh... Et puis tu vois, tu as la condition en plus. Il te met une condition, mais pareil, qui est en fait une sorte de, 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 de piège. De... C'est un piège ridicule, hein, vraiment. Quand il dit, bon, il faut mettre des conditions. En cas de plan blanc, d'épidémie, bah, c'est-à-dire avec le niveau actuel de l'hôpital, on est tout le temps en plan blanc, en fait. Enfin, c est, c est... On est tout le temps à l'arrache. Donc, j'espère je, je... Enfin, sincèrement que Patrick Pelou s'est planté, euh, parce que c'est profondément con, quoi. Enfin, c'est profondément con, mensonger, et, et je ne sais pas si ça témoigne d'une certaine lâcheté ou d'une certaine méconnaissance complète du sujet. Enfin, je sais pas comment le qualifier, j'ai pas envie d'être rude. Mais je veux dire, c'est... il faux. Effectivement, il y, y a Mister Lock qui la sort, et il me semble que c'est Camelot, si je dis pas de conneries. Il euh, faut avoir les Bollocks bien accrochés pour sortir ça. Effectivement. Là, ce niveau-là, je préférais encore l'époque où il disait oui, les non-vaccinés, tous des cons. Au moins, il y avait match nul, tu vois. Entre cons, on discutait. Mais là... Euh... C'est terrible, quoi. Et c'est vrai que, bon, euh, quelqu'un proche de Charlie Hebdo, de cet esprit-là, de... c'est rude, hein. c'est rudasse. Mais je voulais, voilà, vous mettre à température, commencer euh, gentiment euh, avec ces propos-là, euh, parce que ce qui arrive derrière est un petit peu plus musclé. Je peux pas, je peux pas vous mentir, je peux pas vous mentir non plus. On va, euh, on va y aller hein, sur le gros sujet d'aujourd'hui, sujet euh, spécial, presque une émission spéciale parce que c'est une affaire assez dense. Hein, on en a pour euh, un reportage. Il y a des cliffhangers, il y a tout ce que tu veux. Donc, ouais, je vais même me moucher en direct live. Ouais, je, suis, ouais, je suis maladou en ce moment. Ouais, ouais j'ai chopé un truc, je sais pas, une vilaine MST, enfin, j'en sais rien. Euh, c'est pas le sujet. Parle pas de pas, moi. Pas, 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 mais on va aller vers le gros sujet du jour, l'affaire Balenciaga. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors Balenciaga, euh, marque française hein, de luxe, gros luxe hein, ou quoi ça. C'est du gros gros luxe euh, qui appartient au groupe Kering. Alors aussi groupe français. On est vraiment dans l'une des marques les plus célèbres et qui, ces derniers temps, s'est fait connaître pour... Euh, d'énormes conneries, hein. c'est un peu les Patrick Peloux du luxe, si vous voulez. Euh, je, je vous ai fait, je vous ai trouvé un petit récapitulatif, un hein, topito euh, de ce que Balenciaga a pu proposer. Mais tout ça est sérieux. Hein. Balenciaga a vraiment vendu ses euh, merdes. Euh, on a une chemise dragon à 1400 balles. On a eu un sac en papier. Euh, non, ça c'est peut-être une vanne de topito, très drôle. Des Crocs, hein, voilà. Euh, Balenciaga a revisité les Crocs. On a eu euh, des, des chaussures, on ne sait pas trop quel est l'effet, euh, un hybride de t-shirt-chemise, donc tu le t-shirt, tu as la chemise devant, euh, un sac à couette dégueulasse, on a eu euh, une de mes préférées, ah oui, les boucles d'oreilles euh, en épingle à nourrice, 350 euros, on a eu le sac euh, le sac euh, tu vois, le sac Tati à la con, hein, vraiment le sac tout bidon à 1590 euros, euh, on a eu les chaussures complètement défoncées euh, qui ont été proposées. Là, il n'y a pas le prix. Le sac Ikea, enfin, euh, le sac qui, qui, qui reprend, hein, le, 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 le sac Ikea qui, a, qui est à 80 centimes dans le magasin suédois, là, il le vendait 1695 euros. Enfin, euh, vraiment des, 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 des merdasses pas possible Vraiment des merdasses pas possibles. Donc, euh, on sait que Balenciaga est une marque euh, adepte de provocation, adepte de. De campagne curieuse avec des objets, des objets voilà, pour un peu casser les codes, mais c'est de la provoque qui vraiment tourne le ridicule, tourne le luxe au ridicule dans les excès qu'il peut y avoir de, de pire euh, et qui sont d'ailleurs bien repris hein, dans le, le, le film Sans filtre. Hein, vous avez peut-être vu Palme d'or à Cannes, euh, mais c'est pas le sujet. On parle pas Sinoche parce que Balenciaga a fait une nouvelle campagne. Euh, deux nouvelles campagnes qui sont dans les radars aujourd'hui. Deux, tu as vu, j'ai fait trois, mais c'est deux. Deux nouvelles campagnes qui sont dans les radars. Tout commence le 3 novembre. Alors, les dates peuvent fluctuer un petit peu. En tout cas, on est dans le mois de novembre 2022. Le 3 novembre 2022, Adidas et Balenciaga vont faire une collaboration, ce qui se fait de temps en temps dans le monde du luxe. Euh, on a ce sac à main, tu vois, griffé Adidas. Il euh, y avait eu aussi. Hein, il euh, y, y a plusieurs top modèles hein, qui euh, sont intervenus dans cette campagne. Top modèles et actrices bien connues, dont Isabelle Huppert, hein. par exemple. Je vous montre un peu la photo. Voilà, ça c'est. Euh, attendez, j'enlève ma tronche. Ça c'est la tête de Isabelle Huppert dans cette campagne de novembre dernier avec Adidas. Alors là, comme ça, tu me dis, ami, on n'en a rien à foutre. Et fondamentalement, vous avez pas tort. Sauf que léger problème, léger hic, c'est que on peut voir dans cette campagne, sur cette photo, je vous la mets en grand. Là, vous avez un papier en bas du sac, ok Un papier qui est lisible, avec un rectangle beige. Cette feuille-là, le petit problème, c'est que des internautes se sont rendus compte que c'est euh, un document qui euh, mentionne des faits de pédopornographie. Là, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Euh, ce document, c'est un document de justice. Alors, je vous lis ce qu'a euh, qu expliqué un article du euh, site, enfin, du média Ancré Magazine, donc spécialisé dans les affaires de, 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 de mode, enfin, spécialisé dans ce domaine-là. Je vous lis ce qu'il y a eu. Alors, bien sûr, je vous donnerai toutes les sources. Cet extrait euh, et sera publié sur, sur YouTube. Vous aurez toutes les sources. On peut lire dans l'article d'Ancré Magazine concernant cette, ce, ce, ce document de justice qui mentionne des faits de pédopornographie qui figure directement sur une campagne Balenciaga. Et là, je peux vous dire, c'est que le début. Hein. Calmez-vous. On peut lire « À l'époque, un homme nommé Michael Williams avait été repéré par un agent en ligne après avoir posté des images d'enfants âgés d'environ 5 à 15 ans se livrant à des comportements sexuellement explicites et exhibant leurs organes génitaux. Les services secrets américains avaient ensuite obtenu un mandat de perquisition au domicile de Mr. Williams, où deux disques durs contenant au moins 22 images de vrais enfants se livrant à des actes sexuels explicites, dont certains, à caractère sadomasochiste, avaient été saisis. » Donc, ça, c'est l'affaire qui a été traitée et le papier qu'on voit est un extrait de l'avis de la Cour suprême des USA. C'était en 2008. Le, le papier que vous voyez sur la pub, c'est euh, l'extrait de l'avis de la Cour suprême qui dit, je, je, je vous lis ce qui est écrit dessus hein, en anglais, bien sûr. L'arrêt avait alors déterminé que le fait d'offrir... Enfin, je vous lis, pardon, le, le, ce que dit Ancré Magazine sur ce qui est contenu sur ce document. L'arrêt avait alors déterminé que le fait d'offrir ou de demander de transférer, de vendre, de livrer ou d'échanger de la pédopornographie ne violait pas le premier amendement de la Constitution américaine. Premier amendement de la Constitution américaine qui porte sur la liberté d'expression. The freedom of speech. Euh, donc, ça, c'est une campagne qui avait déjà un petit peu fait parler mais qui a été déterrée parce qu'une Deuxième campagne a encore, encore plus fait parler. Et cette campagne, toujours Balenciaga, euh, une campagne qui s'appelle Balenciaga Objects pour la collection printemps-été 2023. On peut voir des choses telles que cela. Donc voilà différentes photos euh, de, issues de cette campagne. Vous voyez hein, euh, donc des jeunes enfants qui ont un peu moins de 10 ans avec un nounours équipé avec un équipement BDSM, donc masochiste. Hein. Euh, vous avez compris. je hein, je vous fais pas un dessin sur ce que c'est. On revoit des objets de la marque, le fameux sac dont je vous parlais. On voit des shops de bière. On voit, des... retenez bien ça d'ailleurs, l'affaire des, des shops de bière. On voit des choses comme ça. Il y a une autre photo comme celle-là. On voit des coupes, enfin des flûtes à champagne. On voit des verres d'alcool euh, dans des codes qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement suspects. Euh, et on a une troisième photo aussi hein, qui. Euh... Celle-là, donc, ça c'est un article du New York Post, je vais vous en reparler. Donc, pareil, hein, c'est la même chose, une autre, une autre photo. On va y revenir. Alors, cette campagne, elle a énormément fait parler, et c'est ça qui déclenche vraiment l'affaire c'est que c'est extrêmement glauque. On a des enfants de moins de 10 ans qui sont autour d'objets qui n'évoquent pas du tout l'univers de l'enfance, soyons bien d'accord. Une peluche avec des, 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 des trucs de bondage, hein, de, 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 de sado euh, on a quelque chose d'extrêmement euh, flippant, soyons clairs. Et là encore, alors je vous relate, vous connaissez la maison, ce que j'ai pu trouver dans les médias, les, ce que j'ai pu glaner, vous allez voir, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui arrivent. Je vous résume cette affaire, mais ce qui a interpellé le New York Post aux États-Unis, ce sont différents euh, symboles qui effectivement interpellent. Alors qu'on soit bien d'accord, euh, je ne conclue pas. Je vous montre ce que dit euh, le New York Post ou ce que pointe du doigt le New York Post. Bien évidemment, et comme vous allez euh, le voir après, euh, il y a eu un renversement médiatique aujourd'hui qui est sidérant et qui, qui est vraiment le cœur de, pour moi, ce qui pose problème en plus de cette campagne-là qui est euh, glauque à souhait. On a le New York Post qui pointe du doigt euh, différents symboles que vous voyez qu'ils ont entourés en rouge même sur leur site. Ici, on a un dessin d'un diable. Clairement, un dessin. on voit hein, donc la, la thématique un peu de cette photo avec là un dessin de diable. On a. Ici, une sorte de chapeau euh, un peu bizarre, qui évoque peut-être des, 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 des chapeaux de rituel. On ne sait pas vraiment, c'est un peu bizarre. Alors, pour le coup, le New York Post parle des chaussures qui auraient euh, qui un appel, euh, qui, qui aurait la tête, le regard du diable, ça, je ne pas, suis pas sûr et certain. On a toujours le même nounours dont je vous parle ici, avec des yeux euh, un, peu, euh, un peu bizarres, qui, euh, moi, je, je vois plus des que que du maquillage. Euh, ce, ce rouleau, alors ce rouleau là encore, moi, je, je vous dis ce que dit New York Post et franchement, je suis pas. Voilà, c'est une idée qui est, qui est donnée par le New York Post. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais je, je vous résume ce que dit l'article. On a un rouleau de Rubalize euh, où on voit le nom de la marque. Hein, c'est celui qui a sur la chaise que vous voyez ici. Donc Balenciaga, sauf que là, Balenciaga est écrit avec deux A. Alors peut-être que c'est une, une fin de rouleau et que. Euh, les lettres se superposent, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est le seul endroit où Balenciaga est écrit avec deux A. Et dans la mythologie Baal, hein, la mythologie sémitique notamment, euh, Baal est euh, l'équivalent de Belzébuth, donc du diable, si vous voulez. Beaucoup de gens se sont enflammés euh, là-dessus. Alors, moi, je vous relaie après, vous en pensez euh, ce que vous voulez. Vous comprendrez, en fait, euh, que ces éléments-là permettent un retournement sophistique qui est euh, sidérant. On va, on va y revenir. Donc. Euh, voilà un peu ce, cette campagne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler. On a des curieux symboles. Euh, donc il y a Beken 34 hein, qui précise hein, le ruban Baal. Donc Baal c'est une divinité, effectivement un dieu sataniste à qui on fait des offrandes d'enfants. Euh, donc il y, y a beaucoup d'éléments comme ça qui posent vraiment euh, problème. Alors forcément, cette affaire-là est allée en justice parce qu'on a eu un emballement médiatique, ce qui a en plus contribué à populariser, enfin à populariser à faire parler de cette affaire c'est la réaction de Kim Kardashian euh, Kim Kardashian qui est une des égéries de Balenciaga et qui elle-même sur les réseaux sociaux a hein, plus de 75 millions de followers il me semble sur Twitter ou Instagram je sais plus, qui elle-même euh, a évoqué qu'elle allait reconsidérer ses liens avec la marque donc on a quelque chose d'extrêmement euh, voilà, ça, ça a pris vraiment une réelle ampleur il y a une autre vidéo euh, qui a fuité, alors celle-là je vais être Très prudent avant de vous parler ensuite l'aspect la, juridique de l'affaire. Il y a une vidéo qui a fûté apparemment avant un défilé de Balenciaga où on a distribué euh, des sacs avec des vêtements ensanglantés et des outils, euh, enfin des outils, des objets évoquant le monde de l'enfance. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu sourcer cette vidéo, donc il est tout à fait possible que ce soit un fake. Je préfère être tout à fait prudent hein, parce que tu as vite fait d'avoir un, un article de l'Express sur le dos. Donc il y a cette vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, et en France, un sac Balenciaga, un vent à défiler, où il y a des, des choses yeah, suspectes qui sont euh, distribuées aux personnes yeah, présentes. Hein, yeah. Vous voyez des poupées, yeah. des taches de sang sur les peluches dans le sac. Enfin, C'est vraiment, vraiment, vraiment très glauque. Alors, tout s'est emballé. Tout s'est emballé, car Balenciaga a contre-attaqué en justice. C'est-à-dire que l'affaire a pris. Euh, une ampleur euh, énorme, vraiment une ampleur énorme. Euh, comme je vous l'ai dit, avec en plus euh, Kim Kardashian, qui, est, qui, a, qui en a parlé dans les réseaux sociaux, elle et d'autres stars hein, d'ailleurs. Euh, donc forcément, et ça c'est toujours l'article d'Ancré Magazine dont je vous parlais, qui nous explique cela. Donc, Je vous résume un petit peu le contexte juridique de ce qui est en train de se passer. Face au tollé provoqué, Balenciaga a intenté une action en justice contre la société de production North Six Incorporation et son agent, ainsi que le scénographe Nicolas Desjardins. Retenez bien ces acteurs-là. L'homme est derrière le décor de la campagne printemps 2023 mettant en scène le sac Adidas avec Balenciaga dans les documents de justice déposés auprès de la Cour de suprême de l'État de New York le 25 novembre, Balenciaga stipule que la société de production a commis des actes et omissions inexplicables qui était malveillant ou à tout le moins extraordinairement imprudent. Les avocats de Balenciaga demandent réparation pour les dommages importants qu'ils, la société de production et son agent, ont causés dans le cadre d'une campagne publicitaire que Balenciaga leur a demandé de produire. Balenciaga affirme que les défendeurs ont inclus certains documents dans les photographies de la campagne sans l'accord de la marque et à son insu. Balenciaga demande 25 millions de dollars de dommages à intérêts en raison du faux lien que le public, mais aussi les médias, on fait entre une affaire de pédopornographie et la marque de luxe. Alors, euh, petite gorgée de café. Euh, on a notamment un article hein, de, de, de BFM TV qui a repris cette information-là. Donc là encore, je vous donnerai toutes les sources. Euh, retenez bien ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que Balenciaga euh, se retourne contre le prestataire, en gros, qui a organisé ce shooting. Vous imaginez bien que... Il y a Anguille Souroche roche et je vais euh, vous le démontrer par l'aveu même des personnes incriminées. Mais avant tout, je veux euh, voir avec vous les réactions médiatiques en France. Donc vraiment, euh, là, on touche, on commence à toucher, enfin, au sublime, je sais pas, mais à quelque chose d'assez effrayant. Euh, donc, on a bien compris. On résume. Alors, je veux pas biaiser votre avis. Peut-être que certains pensent que c'est c'est peut-être voilà, peut malvenu, c'est peut-être un hasard. Moi personnellement, je vous donne mon avis, je, 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 et ça n'est que mon avis bien sûr. Je pense qu'il a très clairement, il y a euh, une campagne de publicité qui euh, reprend des codes euh, qui font la, la promotion, je ne sais pas, mais en tout cas euh, des codes euh, qui incitent à la pédocriminalité. Soyons bien d'accord. Euh, un enfant n'a pas une peluche avec des codes BDSM. Soyons clairs, avec, avec des, des, des trucs de bondage, des trucs attachés, un cadenas au cou, un, un, une peluche, on ne donne pas ça à un enfant. En plus, on a des canettes de bière, on a des flûtes de champagne, j'y reviendrai. Enfin, on a des codes qui ne vont pas du tout et qui mettent un enfant dans une situation d'adulte. Donc, ce qui est extrêmement, extrêmement gênant. Donc, ça, c'est mon avis, mais apparemment, ça n'est pas l'avis de tout le monde. Parce que euh, Libération, notamment, a enfin, fait un article le 25 novembre, en parlant hein, il y a eu plusieurs articles comme ça, pêle-mêle. Libération, dans le, dans le titre, hein, dit provoque ou gros bug. Point d'interrogation, c'était dans la Libération du 25 novembre. Euh, donc voilà, euh, même s'il y a une phrase, et voilà, pour être tout à fait clair, il y a une phrase dans ce même article qui dit, s'il y a bug, comment il a pu se produire, ou l'attrait de la provoque aurait-il mené à l'aveuglement général. Donc Libération qui en parle un petit peu, euh, en nuançant plus ou moins. On a quotidien. Alors quotidien, euh, j'aimerais revenir sur eux, alors pas par facilité pour tirer sur l'ambulance, pas c'est pas la question mais quotidien a couvert le sujet par deux fois. La première fois c'était le 30 novembre, je vais vous diffuser l'extrait et la deuxième fois c'était le 1er décembre. Vous allez voir les réactions donc sur vous l'avez vu, vous avez vu les photos ce qui légitimement peut choquer. Après on peut prêter des intentions pédocriminelles ou pas à cette campagne, libre à chacun. On se met d'accord, vous pensez ce que vous voulez. Mais libération euh, mais quotidien pardon. Voilà les réactions qu'il y a eu sur le plateau. de mode tous les détails comptent, même les plus petits, les plus insignifiants en apparence. Contre-exemple parfait cette semaine avec deux campagnes publicitaires. Balenciaga, la première, c'est cette campagne-là, la campagne objet, car figurez-vous que Balenciaga ne commet pas que des vêtements. Pour cette campagne, la marque a donc fait poser des enfants, alors des enfants dans des pubs pour vendre des objets à des adultes. C'est toujours curieux, mais c'est déjà vu. Plus étonnant, beaucoup plus inédit, la présence dans ces portraits d'enfants de ces peluches-là, des peluches accessoirisées de cuir, harnais sur le dos, collier à clous autour du cou. Beaucoup y ont vu une accessoirisation de type bondage, finalement assez peu compatible avec le monde de l'enfance. <laughs> les réactions ont été si fortes à la vue de ces pulls. Voilà, ça, ça les fait ricaner, en fait. Ça les fait ricaner parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle euh, d'imaginer, en fait. C'est là où on assiste à ce renversement, et j'y reviendrai. On assiste à un renversement sophistiqué qui est que... Il n'y a pas de problème. Le problème vient de ceux qui voient un problème. Donc c'est-à-dire que le problème vient des gens qui disent attention, cette campagne euh, met en avant des codes pédocriminels et c'est un scandale. Et pour quotidien, ça les fait ricaner. Parce que euh, en vérité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème vient de ceux qui imaginent qu'il puisse y avoir un problème. Parce que tout ça est normal. En vérité, un enfant qui fait une campagne de pub, bah, vous comprenez. Il oh, n'y a pas de problème, c'est normal. On l'a vu des enfants déjà dans des pubs. C'est une pub comme les autres, que ce soit Lactel ou Balenciaga avec un truc qui évoque le monde du BDSM. C'est une pub. Par contre, le problème, si vous voyez un problème. Attends. Et, et là, on a en fait un renversement. Alors, peut-être que je rapproche des choses. Bah, idéologiquement, je, je pense que c'est cohérent, mais à débattre. Euh, c'est comme le, 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 le discours à un moment donné, au, au moment du, euh, du, du, du mariage pour tous, quand une partie de la population ne l'acceptait pas, quand on disait, mais attendez, en fait, c'est normal. C'est normal qu'un homme se marie avec un homme, qu'une femme se marie avec une femme. Le, le, le recours à l'argument du normal renverse en fait la charge de la démonstration. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je prends juste sur le, le niveau d'argumentation. Si on dit mais c'est normal que deux hommes se marient entre eux, deux femmes se marient entre elles, dans ce cas-là, le, le non-normal devient celui qui ne le pense pas. Et donc cette justification à l'extrême arrive là, le plateau de quotidien, où... J'espère, j'ose espérer qu'ils font semblant de ne pas voir le problème en disant Oh, effectivement, quand même, des nounours BDSM, ça évoque pas franchement l'univers de l'enfance. Mais. Et, et voilà, j'espère je, franchement qu'ils font semblant de ne pas voir le problème, et en renversant les choses et en disant Mais le problème vient de ceux qui disent qu'il y a un problème. Pour nous, c'est normal. Et ça les fait ricaner. Ça les fait ricaner. Ça, c'est le premier niveau. Et il y a eu un deuxième niveau. Le 1er décembre, donc c'était hier, j'étais sur mon calame, ça m'a rendu zinzin. Euh, Quotidien en a reparlé. Et là, ils ont pris un autre angle d'attaque. Et vraiment, euh, c'est Je sais tes matchs. Je sais tes matchs, il y a déjà eu le renversement de la normalité, et là ils utilisent un autre argument désormais implacable. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous mets la séquence, c'était hier sur le plateau de quotidien. Je vous mets, ça commence à peu près par là. Oh merde, pourquoi ça marche pas Oh, ça marche pas, merde. C'était un imperfect jusqu'à présent. Ah si, c'est bon. Donc, vous avez compris niveau 2 de l'argumentation. Là, c'est vraiment comme je, quand je vous disais, c'est jeu, set et match, on y est en plein dedans. C'est que euh, maintenant, c'est non seulement, euh, c'est normal. Donc, le problème vient de ceux qui pensent que ça n'est pas normal. Le problème vient de ceux qui pensent qu'il y a un problème. Niveau 2, ceux qui pensent qu'il y a un problème sont, euh, on va dire, enfin, Parmi ceux qui pensent qu'il y a un problème, il y a des gens de droite aux États-Unis, voire d'extrême droite. Donc, tous ceux qui pensent qu'il y a un problème, en plus, sont des pro-Trump. Alors là, c'est implacable. Là, là, ça devient implacable. On est effectivement sur un raisonnement idéologique très 2022. Donc, je veux dire, euh, tu as le QI d'un chiffon, normalement, ça passe. Tu vois euh, donc, on est en plein dedans. C'est qu'il y a un, un ultime renversement qui fait que, en plus de voir un problème là où il n'y en a pas, ceux qui voient un problème le font pour des raisons politiques. C'est ce que dit ce, ce journaliste, je ne le connais pas sincèrement, qui dit, euh, ceux qui critiquent le font pour des raisons politiques. Donc en fait, le fait de dénoncer une campagne publicitaire à tendance pédocriminelle, en fait, c'est politique. C'est juste pour tomber la gauche, en fait. La gauche qui donc soutiendrait une marque qui vend des faux sacs IKEA à 1600 euros. Quel ouvrier américain ou français, vous voulez, peut s'acheter ça Et d'ailleurs, petit clin d'œil, quand le monsieur parle de la campagne Balenciaga qui reprenait le logo de Bernie Sander, je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure, mais ce logo est présent sur le suite d'un des enfants de euh, cette fameuse campagne Balenciaga Object. Donc en plus, on a un logo qui reprend celui d'un leader de gauche dans cette campagne-là. Soit dit en passant. Donc euh, là, on est dans les réactions médiatiques. Donc c'est quotidien qui vraiment nous a régalé. On a également un papier euh, de M le Mag et, et, et là on va on va relancer pour vous dire à quel point vraiment euh, cette affaire va loin et en plus euh, devient un véritable sac de nœuds mensonger. Aime le mag, donc c'est le magazine du Monde qui sort tous les week-ends, où la moitié du magazine c'est des pubs. Forcément, le Monde ne gagne plus de pognon, donc il faut faire des pubs. Des pubs notamment pour Balenciaga. De temps en temps, il y a des modèles, il y a des choses comme ça, qu'importe. Euh, il y a eu un article en date du 26 novembre, c'est un article publié sur le site. Il n'est pas encore sorti dans Aime le mag en papier, j'ai vérifié, peut-être dans l'édition de ce week-end, je vous tiendrai au courant. Euh, et on a un article quand même qui. Euh, dans l'intro de l'article, hein, vraiment, je, je, je vais vous le montrer, comme ça, on, vraiment, tu as vu, je suis pointilleux, hein, je suis, je, je suis vraiment là, je, je montre pâte blanche. C'est cet article, le cauchemar de Noël de Balenciaga. Et dans l'introduction, on a euh, une phrase qui est quand même sublime la tornade qui secoue aujourd'hui Balenciaga semble plus ravageuse. Elle raconte que la puissance du groupe de luxe Kering, propriétaire de la maison, ne peut rien contre l'emballement des réseaux sociaux et la propagation de fake news, parce qu'en fait. Tout ça, en plus d'être normal, d'être euh, de gauche, c'est une fake news. Ceux qui osent attaquer relaient des fake news. Rendez-vous compte. En plus, ce sont des fake news. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article du Monde, dans la suite, hein, celui que je viens de vous montrer, dans la suite, on apprend des choses qui sont euh, très, très, très intéressantes. On apprend que le shooting photo de cette campagne avec les enfants. Je cite, a été organisé, je cite, dans une villa près de Paris les 17 et 18 octobre. Donc ce shooting a été réalisé en France. Donc c'est soumis à la loi française. J'y reviendrai. Le photographe s'appelle Gabriele Galimberti. Euh, c'est le photographe de cette campagne. Alors, je suis allé chercher, je vous montrerai le travail de ce photographe et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Euh, on a, je, je continue de lire. Euh, le monde en fait ne se rend pas compte que euh, ils font tomber la défense de Balenciaga. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Balenciaga dit nous, on a organisé les campagnes, donc le sac à main Adidas et celle avec les enfants. On a organisé les campagnes, mais euh, c'est la société avec qui on a bossé qui nous a trompés. Ils ont rajouté des choses, on ne savait pas. Bien sûr, tu sais, la couverture de juste mensuel, je la vérifie 15 fois avant de vous l'envoyer. Là, c'est Balenciaga, une des plus grandes marques de luxe au monde, et les mecs font des campagnes et ils ne vérifient pas. L'argument, déjà, est débile. Mais le Monde, en voulant, pas prendre la défense, mais en voulant tempérer l'affaire, le Monde donne un scoop et donne de quoi faire tomber les arguments de Balenciaga. Je vous lis ce qu'il a écrit dans l'article du Monde. Les équipes de Balenciaga ont sélectionné des objets en édition limitée. Une gamelle pour chien à 750 euros, une boîte à lunch à 650 euros, une flûte à champagne à 600 euros, une parure de lui à 1200 euros. Chaque mise en scène est d'abord testée avec un faux enfant en plastique et l'image est envoyée au siège à Paris. Une ou deux heures plus tard, une fois la scénographie validée par la hiérarchie, un enfant habillé en Balenciaga Kids prend la pose à la place de la poupée. Donc le monde fait tomber l'argumentation de Balenciaga. Le monde explique que tout a été validé et survalidé. Je vous parlais du travail du photographe. Parce imaginons, c'est le photographe qui s'est tapé un délire et qui a fait ça tout seul. Ce qu'on ne peut pas concevoir. Est... Enfin, Rendez-vous compte. C est, c est, c est... Comme je vous dis, je prends un exemple à ma minuscule échelle, on m'envoie un article pour Justement Suel, je le relis trois fois. C'est normal. Je ne publie pas n'importe quoi. Euh... Le travail, donc je vais vous montrer le, 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 le site du photographe, donc gabriele Galimberti, qui effectivement a une série de photos qui s'appelle Toy Stories, où il prend des enfants et on, re on reconnaît un petit peu l'esthétique hein, du, du photographe. Il prend des enfants dans des contextes un peu différents avec les, les jouets en fonction des cultures des enfants et on a un travail qui est beaucoup plus anodin, euh, beaucoup plus enfantin en fait tout simplement. D'ailleurs des photos qui sont même assez jolies en vérité. Euh, vous voyez, hein, donc c'est bon, fonction les pays du monde, le nombre de jouets des enfants. Euh, voilà, on a des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus neutres. J'en conviens, hein, je vous fais passer un peu tout le travail. Vous voyez, Et là, il y a Cars, il y a Spider-Man, il y a une vache, là, il y a un tableau, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être, euh, je ne sais pas, sais, 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 il y a des jouets tout à fait sympathiques. Euh, là, le monsieur, Paris, il a un circuit en bois, il a des pluches. Enfin, voilà, je, je peux continuer, hein, si vous voulez, il y, en a, il y en a effectivement une collection. Donc, on a un travail qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anodin. Et forcément, des consignes ont été passées par Balenciaga. C'est, dans, euh, d'une certaine manière, l'ADN de Balenciaga d'aller dans la provoque. Là, effectivement, là, ça franchit un cap qui pose des questions. Et pour continuer à vous dire à quel point la défense de Balenciaga, qui s'est simplement fait prendre la main dans le sac, on a le, 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 le photographe qui lui-même s'est expliqué sur Instagram. Attends, ah j'avais le, le lien, il faut être connecté à Instagram, merde. Je vous mets le lien, si jamais je vous mets le lien dans le chat, si vous voulez voir, mais tout ça sera en source, si vous voulez voir le poste, on a Gabriele Galimberti qui s'est expliqué sur Instagram et qui a dit, je cite, je ne suis pas en mesure de commenter les choix de Balenciaga, mais je dois souligner que je n'avais pas le droit, de quelque manière que ce soit, de choisir les produits, ni les modèles, ni la combinaison de ces derniers. Il précise, la direction de la campagne commerciale et le choix des objets exposés ne sont pas entre les mains du photographe, bien évidemment. Bien évidemment. Donc... Balenciaga dit n'importe quoi, on a également l'avis du scénographe dont je vous parlais tout à l'heure, Nicolas Desjardins, dont je vous parlais, qui lui aussi est monté au créneau, et on peut lire, de son côté l'agent du décorateur Desjardins, ça c'est toujours dans l'article dont je vous ai déjà parlé à deux reprises, en Magazine, qui est assez long et qui donne beaucoup d'éléments. Euh, de son côté, l'agent du décorateur des jardins Gabriela Moussaïev, est monté au créneau stipulant que son client était utilisé comme un bouc émissaire par Balenciaga. Tout le monde chez Balenciaga était présent sur le tournage et sur chaque photo et a travaillé sur le montage de chaque image en post-production. A tel détail, quant aux documents polémiques renseignant sur l'affaire US versus Williams et d'autres documents que l'on peut voir dans la publicité Balenciaga, ils ont été obtenus auprès d'un accessoiriste et qu'il s'agissait de pièces de location utilisées pour les séances de photos. Assure est. Donc, la défense ne tient pas. La défense ne tient pas une seule seconde. Rendez-vous compte, Balenciaga s'est juste fait choper la main dans le sac. Et euh, de fait, il va quoi Il va pleine balle pour couvrir le truc en disant c'est pas nous, c'est pas nous. Ça ne tient pas. Espérons. Enfin, Aujourd'hui, il y a de très fortes chances que Balenciaga soit condamné et petite pépite. Parce que vous connaissez l'animal. Hein, je ne me suis pas arrêté là. Quand tu tires une ficelle, que tout vient comme ça, ce serait compte gâché. gâcher. J'ai bouclé la boucle. C'est vraiment le dernier élément que je voulais vous donner pour en plus euh, considérer qu'il y a une incurie et un manque de réaction, déjà des médias en France, mais surtout de la justice. Parce que, comme je vous l'ai dit, Balenciaga est une marque française. Le shooting photo a eu lieu en France, sur le territoire français, à Paris. Donc, c'est soumis à la loi française. Si on a des juristes dans la salle, n'hésitez pas à valider ce que je vous dis. Mais je suis allé chercher parce que, forcément, l'encadrement. Euh, des enfants, que ce soit dans le cinéma, que ce soit enfin dans la culture au sens large ou là euh, dans le monde du mannequinat, c'est très 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 encadré. Et on a un décret en France, hein, je vous lis, c'est un petit peu long, décret numéro 87-239 du 6 avril 1987, pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi numéro 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie RTN terrestre. Ou par satellite, le régime applicable à la publicité ou au parrainage. On est pas mal, on n'est pas mal. Et en fait, tu peux lire dans ce texte de loi, il n'est pas très long, hein, il n'est pas très long. Euh, tu peux lire, notamment l'article 6. La publicité ne doit en aucun cas exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Dans les photos que je vous ai montrées, c'est pour ça que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des canettes de bière, il y a des, il y a des verres d'alcool, enfin des verres à alcool, qui en l'occurrence là sont vides. Euh, il y a des nounours avec des codes BDSM, euh, il y a des choses comme ça. Donc en plus, ce shooting me semble illégal. Je ne suis pas juriste, donc je vous lis, je vous lis juste l'article de loi. Euh, on a également un autre article, toujours hein, dans l'article le, 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 que je vous cite, on a l'article 3 quand même. Les messages publicitaires doivent être exemples de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudence ou négligence. Les codes du BDSM, alors, même si c'est volontaire, souvent, mais pas tout le temps, euh, sont pas les trucs les plus, euh, plus chillos du monde. tu vois. Donc en plus, ce shooting, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, ne respecte pas la loi française. Et ça pose pas de problème. Et ça pose pas de problème. Je vous l'ai montré. Ça fait rire chez quotidien. Ça fait rire chez quotidien. Le Monde dit que tout ça c'est fake news. Et pour Libération, on se pose la question de savoir si c'est provoque ou gros bug. Voilà. Voilà un petit peu les, les amis hein, cette affaire que, sur laquelle je voulais revenir avec vous. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et euh, vraiment, voilà. Voilà le résumé de ce qui s'est passé. Une des plus grandes marques de luxe au monde, marque française qui propose ça. Et c'est normal. En fait, c'est normal, il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc voilà les amis, hein, cette, cette enquête d'inspecteur milieu hein, que je voulais vous, vous proposer, n'hésitez pas à dire dans le, dans le chat un petit peu hein, ce, que, ce que vous en pensez, qu'on qu papote ensemble. Voilà, ça c'est important. se de la gueule. Parce que c'est vrai que ouais, honnêtement, moi ça me sidère. Vraiment, ça me sidère. Je pense que vous l'avez compris. Euh, ça, ça, ça me sidère que cette affaire, en fait, ne. c'est en train de devenir une forme de normalité, en vérité. Euh, c'est en train de devenir une forme de, de normalité. Il y a Mirlav, 1, 2, 3, 4, effectivement, qui pointe du doigt quelque chose de très intéressant. Les parents des gosses sont où Effectivement. Effectivement. Euh, c'est assez sidérant. Euh, on a M. Féan qui dit Rémi, ils s'en foutent de la loi, tous ces gens-là. Ils risquent quoi Il y a des conflits d'intérêts partout. Ils sont pourris, corrompus, etc. Et intouchables par-dessus tout. Euh, C'est. Voilà. Je, je, je vous avoue que euh, je, je, suis, je voulais partager avec vous cette affaire parce que, ben voilà, toutes ces affaires qui sont loin d'être des faits isolés, hein. c est, c est, c est, on a eu le. Récemment, l'affaire à la Fédération française de foot révélée par Romain Molina, il n'y a eu aucune suite et il n'y en aura peut-être jamais. Je reprends le commentaire de Mathieu Flex hein, pour prendre un peu vos, vos avis, les copains. Je pense que ces campagnes cherchent à démocratiser la pédocriminalité. On sait très bien que nos politicards sont les premiers concernés. Euh, donc pour moi, c'est voulu et j'ai l'impression qu'on veut nous faire. De l'ingénierie sociale pour nous faire rentrer ça dans la tête, pour banaliser cette horreur. Il faut protéger nos enfants, bordel. Euh, Laurent 29 qui dit Vanessa Springora, son livre Le consentement, encore une complotiste, point d'interrogation, effectivement. Euh, Topaz qui dit Rémi, euh, merci Rémi d'avoir apporté des éléments sur cette histoire. J'avoue que ce monde occidental est effrayant. Je pense qu'il doit y avoir tellement de choses cachées dans les placards. Euh, Bignat, mon Bignat que j'embrasse, qui dit Carl Zéro dénonce tous les pédocriminels qui sont protégés par des gens placés, effectivement. Carl Zéro qu'on qu qu salue. Euh... Blanquette 59 qui dit c'est seulement la surface des choses. Euh, L'Unicoala voilà qui dit les parents, l'agent de mannequin, ils ont une responsabilité. Copain Romain qui dit mais non c'est de l'art. Emoji qui vomit. Euh, c'est... Euh... Tomislav qui dit ouais je suis venu sur cette chaîne attiré par le nom de la chaîne, je repars de ce pas, le milieu n'est pas très centré. Alors cher Tomislav déjà, merci d'être venu. N'hésite pas à dire pourquoi tu, tu, tu penses que le milieu est pas très centré. Est-ce que c'est par rapport au sujet Enfin bon, on est OK sur le débat avec grand plaisir au contraire. Hein. C'est euh, vraiment l'idée. Est-ce que tu penses que cette affaire est, euh, est orientée politiquement Vraiment, n'hésite pas. On peut papoter dans le chat. C'est tout le but. Hein. Je n'ai pas, pas envie d'imposer mes, mes idées au contraire. Hein. Qu'on puisse en discuter euh, ensemble. Euh... Il y a C'était mieux, qui dit Moi ça me dégoûte et me révolte. Euh... Mr. Ninz, d'ailleurs, Carl Zéro est plaxisté pour ses positions remplies de bon sens. J'en peux plus. En rendant le sujet du sexe à l'école banale, les enfants découvrent trop tôt ces choses et du coup, ça permet de banaliser la pédo. Alors, ça, après, c'est voilà. Moi, je vous donne ces éléments-là. Il y a beaucoup de réflexions qui peuvent se poser sans forcément conclure. Il y a vraiment des, des réflexions à avoir, oui ou non. Mais, euh, mais effectivement, il y a, 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 a peut-être des, 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 des liens. Moi, je, je, je me pose la question. Voilà, je me pose la question voilà, pour centrer le milieu, parce que paraît-il qu'on n'est pas, euh, pas, pas, pas centré, mais c'est le débat. Il hein. n'y a pas de souci. Toi de 76 euh... qui dit C'est très grave, est le symbole d'une ours BDSM avec les yeux explosés, les yeux panda, est hallucinant. Euh... Ouais, ça c'est c'est assez 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 terrible donc voilà les amis ça ça fait réagir ça fait ça vous fait réagir cette affaire mais je voulais vous je voulais vous le partager parce que enfin, je, je ouais il y, y, y a rien qui va et hier je vous avoue j'étais sur mon canapé à moitié malade une Locke John Locke euh... oh la tuile j'étais chez et puis tu sais je me dis tiens je vais être quotidien en fait c'est peut-être là que que j'ai fait une erreur en vérité euh... Et je, je, je regarde quotidien et je tombe à ce moment-là sur la séquence, tu vois. et j'avais déjà prévu de vous en parler euh, ah bah putain, j'ai pas été déçu, quoi c'était la séquence où euh, le mec fait le lien, non mais, au, au contraire je, je, je le fais pas tout le temps, j'avoue mais, mais j'aime bien regarder souvent le quotidien justement, enfin, pour me faire une idée parce que critiquer sans jamais regarder, c'est un peu con faut savoir précisément pourquoi et, et là, ça m'a ça, ça vraiment ça m'a ça, ça conforté dans ce que je pensais, malheureusement ça passe quoi, vraiment, ça passe. Ça... Le, le, le mec te dit voilà, tu as une affaire. Alors après, on peut, on peut discuter de la gravité. Est-ce qu'on estime que voilà, ça peut être euh, provoque ou gros bug comme la délibération euh, Je suis pas fermé à l'idée, tu vois, l'ami. Mythe... On peut discuter, on peut discuter, bien sûr, comme tout le temps. Mais euh, que en plus, le mec serine l'argument en disant non, mais de toute façon, si vous y voyez un problème, c'est euh, que euh, vous êtes comme les gens d'extrême droite aux États-Unis qui soutiennent Trump et qui eux aussi voient un problème. Mais enfin, forcément qu'on va dans un monde, enfin on va vers un monde où plus personne ne se parle. Parce que avec ce niveau-là d'argumentation, enfin, imaginons 30 secondes. Je suis journaliste quotidien. Enfin, en tout cas, j'applique le, le, le raisonnement de ce monsieur, et qui a, sans aucun doute est un monsieur intelligent, et je pense franchement qu'il euh, le fait exprès. Enfin, J'espère, honnêtement. Euh, si on dit. Balenciaga est une marque euh, mar euh, ancrée à gauche, qui a soutenu, qui a fait une campagne machin, pour euh, Bernie Sanders. Par contre, à droite, les gens à droite imaginent que Balenciaga a fait une campagne euh, avec des codes pédocriminels, donc euh, si vous pensez ça, c'est que vous êtes d'extrême droite. Du coup, à l'opposé, si, si toi-même tu es réellement d'extrême droite, que tu appliques ce niveau de raisonnement, tu dis donc la gauche soutient la pédocriminalité. C'est ridicule, personne ne dirait ça sciemment. C'est débile de penser ça. Et bien pourtant, le monsieur de Quotidien applique ce raisonnement-là. Et si demain, il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Ah ouais, mais en fait, Quotidien, comme il voit pas le problème, il soutient la pédocriminalité, il aura son petit reportage dans Quotidien, on va, on va se foutre de sa gueule. » tu vois. Et, et c'est là où c'est sidérant. Et on va vers un pays où, au-delà, enfin, on va vers des, plutôt des, des idées, En fait, c'est le pays des idées, c'est pas tant en France spécifiquement. quoi On va vers un, un monde d'idées où euh, non pas que les gens ne débattent plus, c'est que euh, ils n'ont plus rien à voir quoi. Ils n'ont plus rien à voir. Et, et, et c'est euh, un truc qui me, qui, qui me sidère quoi, vraiment qui me sidère. Et en, en faisant des ponts alors, qui sont peut-être excessifs, j'en conviens, mais je, je reste un petit peu dans, dans mon argumentation et je sais que beaucoup d'entre vous sont, sont pas d'accord, mais c'est le sens du débat justement. Euh, je reviens sur l'affaire Lola. Vous noterez que l'affaire Lola, ce qui a choqué c'est l'origine de la tueuse et cette histoire d'OQTF. Mais le crime en tant que tel est, et pour moi peut-être que j'exagère et je, je, je pose la question. Je pense que le crime en tant que tel est passé au second plan et c'est ça qui m'a profondément sidéré. Donc, euh, donc, 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 donc voilà un peu les, les, les amis. Je pense que sur ces débats là, c'est euh, complètement dingue, quoi. vraiment complètement dingue. Donc voilà, merci à, j'ai vu passer, merci à Esbrouf, qui, qui, qui vient de se prendre pour le troisième mois, merci beaucoup, qui dit, beau boulot, ne, ne laisse rien passer, on compte sur toi, euh, merci beaucoup, merci beaucoup, euh, voilà. c'est Voilà les amis, un petit peu, en hein, cette affaire, j'espère qu'on n'a pas été, été trop décentrés, hein, sur le, le monsieur qui est passé, hein, qui a dit, euh, on n'est on est, on est pas centré. Hein. Je, je, je... bon là pour le coup, as vu, j'ai pris les pincettes, comme d'avant, mais euh, bon, c'est le jeu, hein, c'est le, le jeu de la vie hein. Donc voilà un petit peu les amis, cette mini-enquête hein, sera republiée sur, euh, sur Youtube, hein. je vous le dis tout de suite, ce sera la semaine prochaine, on, on mettra l'extrait comme, comme, comme je fais de temps en temps, bon, parce que c'est sympa, et puis, euh, et puis moi je vais pas tarder, hein. je vais aller manger, parce que qui dit vendredi, dit, on va voir si vous avez suivi dans le chat, hein dans ceux qui révisent, les bons élèves, on va voir si ça bosse, voilà. et conduite, voilà, bien joué, Benoît P, très bien joué, excellent 10 points pour pouf souffle. Bien joué. Voilà, donc là je vais aller manger un sandwich de toute évidence. Euh, et puis voilà, on part sur l'automobile. Je mets les casques. Et puis c'est parti. Donc voilà, les amis, un petit peu euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Programme chargé. Effectivement. Ce n'est pas la plus belle ambiance. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus belle ambiance, mais on se fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous attend maintenant les copains Le programme. Euh, le programme est plutôt sympatoche programme plutôt sympatoche, il y a du plaisir, il y a de la densité, il y a de la souplesse articulaire. Euh, ce soir, c'est Qatar, Radio Qatar, épisode 5, ce soir les amis, Radio Qatar, épisode 5 à 18h, soyez au rendez-vous. Euh, dimanche, il y aura un petit extrait de mon passage chez l'ami Mike Borowski, donc ce sera dimanche à 18h pour gentiment finir la semaine, et puis la version intégrale sera sur sa chaîne géopolitique profonde. Et la semaine prochaine, donc il y aura l'extrait euh, qu'on vient de vivre ensemble aujourd'hui. Si jamais vous l'avez raté, que vous êtes arrivé un peu avant ou après, il y a l'extrait. Et semaine prochaine, vous le savez, c'est désormais officiel. Le script touche à son terme. J'ai vu beaucoup de travail, d'ardeur, beaucoup de plus à qui ont été mis dans ce projet, entrepris. De manière collective je suis heureux fier mais humble face aux défis qui s'annoncent je suis ravi de vous annoncer avec gravité mais néanmoins fierté la publication la semaine prochaine peut-être jeudi vendredi pas plus tard pas plus tard que vendredi je suis heureux de vous annoncer, et je le dis en mon âme et conscience, la sortie du 13e épisode du Martin Blachier Comedy Club. Vive la France! Voilà, c'est officiel. Tu vois, j'ai été possédé tout à coup. Euh, c'est officiel. C'est officiel. Euh, ça y est, le script est prêt. Ça tourne la semaine prochaine. Donc euh, voilà, je vous le dis c'est la semaine pro. Je pense que ce sera jeudi. Normalement, jeudi, on est bon. Ah, il nous a régalé. Il est de retour. Il ne faut pas que je perde le fil parce que s'il revient bien, on va avoir euh, tous les jours des nouvelles choses. Donc euh, 13, 14, 15, 23. Donc. Les amis, voilà, du boulot, c'est le grand retour du Martin Blacher Comedy Club la semaine prochaine. Euh, voilà, on se régale. Donc, les amis, merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Vous le savez, c'est un plaisir complètement fou. Euh, on arrive en plus. Ah oui, puis la semaine prochaine, mais en fait, oh là là. oui, allô, ouais, appelez, appelez YouTube parce qu'on va tout péter. Euh, mais la semaine prochaine aussi, il y a la soirée des 300 000 abonnés. Ben oui, ben oui. Oh, ça va être une semaine de fou en fait. Qu'on va faire ça mardi. On va s'organiser avec Edouard et Marie. On va faire ça bien, des visuels, des machins. On fera la FAQ foire aux questions sur YouTube. On va organiser, organiser ça mardi ou mercredi. On va voir comment on peut faire. Donc, ça va être fou. Voilà. Soyez là la semaine prochaine. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Je file acheter mon sandwich. Je vous embrasse. Merci. Prenez. Soin de vous, un bon week-end, bon courage pour ceux qui sont encore au boulot. Je vous embrasse. A très vite, les amis. Vive la rigolade et vive la France. Voilà.